précédemment dans Off Prime. Ça, c'est de l'or blanc, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, mais t'as pas les moyens. Tiens, c'est ma lettre de démission. Je dis à Loïc que vous êtes là. Non, non, je repasserai. Merci, hein, merci d'être là, et merci surtout à Luigi, hein, notre Luigi qui me donne cette chance. Vous faites des menus taille? Mais c'est un restaurant italien, en fait. Bon, bah donnez-moi vos coordonnées. Merci. Merci. Ouais. J'en ai chié pour qu'elle s'aperçoive de rien. Bah, il était là. Comment ça? Et il y est plus. Enfin, t'es complètement débile. De quoi? Je me demande bien pourquoi je t'ai engagé. Parce que j'étais homo? Ah oui, c'est vrai, mais tu l'es pas, en fait. Non. Ah non? Eh bah, t'es viré, alors. Je crois qu'on s'est fait cambrioler. De quoi? Je me suis levée pour manger un yaourt. Il n'y en avait plus? Ils nous ont piqué les yaourts. Non, mais il n'y a plus de couverts, plus rien. Je suis sûre que c'est une menace psychologique. Tu sais, ils ont piqué rien que les couverts pour nous prévenir. Qui sont cons? Mais non, qui peuvent rentrer facilement et qui vont revenir. Pour piquer le nez mental. Non, de toute façon, dès qu'il y a un truc un peu fin à piger, et après tu t'étonnes d'être célibataire. Mais... quoi? Ils sont là, les couverts. Mais pourquoi ils sont comme ça? Je sais pas, il faut peut-être les laver. Mais ils sont jamais comme ça d'habitude. Et mais d'habitude, c'est... c'est quoi? D'habitude, c'est Carole qui... Ah, mais comment on fait pour les laver? Je sais pas comment je vais faire si je peux pas travailler M6. Si je les chope, sans déconner. T'es sûr qu'ils sont ensemble, JB et Carole? Je les ai vus. Tu les as vus faire quoi? Tu mets en doute ma parole? Non, mais c'est juste que la dernière fois que t'as crié au scandale que Carole te trompait, c'est parce qu'elle avait pris son cousin par la main. Oui, et ben c'est pas normal, je suis désolée. Et puis en plus, c'est dégueulasse, c'est la même famille. Il avait perdu sa grande tante. Mais on perd tous des trucs, et c'est pas une raison pour se tripoter. Et puis en plus, c'est dégueulasse, c'est la même famille, quoi. Bon, sinon, j'ai cherché une femme de ménage parce que c'est plus possible. Hein. T'as cherché une femme de ménage? T'as pas de cœur, en fait. Et Carole? Faudra quand même que tu m'expliques comment t'as trouvé une nana, toi. Donc, j'ai cherché une femme de ménage, mais c'est chiant, en fait. Le chercher? Ouais. Donc, j'ai une super idée. Aïe. Je peux pas rester là à attendre. Donc, j'ai pris des bonnes résolutions et je vais m'y tenir. Enfin, jusqu'à ce que j'arrive à joindre Loïc. Mais c'est-à-dire? Je vais donner des cours. Des cours de quoi? De poitrine? Ah non. Des cours d'animatrice. J'ai appelé le journal, l'annonce est déjà sur Internet. Je vais pas courir derrière Loïc pendant 6 mois. Et puis, il faut bien qu'on trouve de l'argent. Oui, enfin, ça va pas être la même chose quand même. Tu les fais payer combien, tes cours? 2000 euros. La journée? Bah non, l'heure. Un plus long, je me connais, je serai plus attentive. T'en penses quoi? Bah, franchement, je serais pas célibataire, je crois que je pourrais crever de rire. Mais dans mon état, je pense que je pourrais appeler les flics pour qu'ils t'empêchent de faire perdre du temps à des pauvres nanas qui seraient assez débiles pour filer 2000 euros. Ouais. T'es pas vraiment pour, quoi. Running out of gas. Ah non, mais il faut être derrière vous tout le temps, hein. Ah, c'est sûr, ça vous fait rien, à vous. Ah non, ça c'est sûr, j'en ai carrément rien à foutre. Non mais dites donc, surveillez votre langage, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'arrive pas à m'y faire, voilà. Vous devriez faire attention quand même, parce qu'à force de tourner autour du pot, ça commence à se sentir. C'est-à-dire? Ben, après,
je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais Gwenaëlle veut vous voir cet après-midi. Oh, ça n'a rien à voir, ça. Ah ben, votre supérieur hiérarchique veut vous voir, comme ça, comme par hasard. Moi, je serais vous, je me demanderais pourquoi. Non, mais il veut me voir comme tous les ans pour faire un bilan de la saison. Y a rien d'inquiétant là-dedans. Oh, mais moi, je ne dis pas ça pour vous inquiéter. Oui, bah arrêtez de le dire, alors. Mais ça sent pas bon. Je dirais même que ça pue du cul. Non, non, mais ça suffit, là. Le bon bistrot. Qu'est-ce que c'est que ton langage? Quand est-ce que vous allez l'annoncer? Que je vais annoncer quoi? Kefira s'est barré. Je sais pas. Je vais le faire. J'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Je peux pas lui dire qu'elle a donné sa démission. Gwenaëlle ne me pardonnera jamais de pas l'avoir retenue. Faut que je trouve un truc. Si vous voulez, je le fais, moi. Non, surtout pas. Je vais le faire. Moi, ça va faire un choc. Tout le monde l'aimait ici. Oui, enfin, si vous lui enlevez les nichons... Oui, mais pas à part vous, tout le monde l'aimait, là. Ça va bien dormir? Bah pas trop en fait. Tu veux que je prépare le petit déjeuner? Non mais il faut faire quelque chose là, c'est plus possible, on peut même plus marcher. Non mais je t'ai dit, je veux rien que tu ranges, t'es mon invité, il y a un minimum de respect, je suis désolé. Il a encore essayé de t'appeler? Oui. Et tu veux pas au moins l'écouter? Quand tu me laisses des messages, il m'engueule, alors non, j'ai pas super envie. Ça se trouve, c'est un malentendu. Tu veux dire qu'il va l'avoir la nuit en douce dans sa chambre et qu'il lui offre une bague comme ça, juste pour déconner? Non mais peut-être pas pour déconner, mais tiens, bah si ça se trouve... Ouais non, c'est con. Non, vas-y, dis. Non, mais j'allais dire qu'il avait peut-être du mal à s'exprimer à la lumière du jour, mais c'est con. Ouais, c'est con, ouais. En plus, ça marche que pour le truc de la chambre, de toute façon. Non, mais de toute manière, ça me fait comprendre pas mal de choses. En fait, il y a plein de trucs qui vont pas. Et bah, c'est peut-être l'occasion de recommencer à zéro. Ou de tout reprendre depuis le début. Ouais, voilà. Bon, c'est la même chose, mais tu comprends l'idée? Ouais. Oh, et au fait! Quoi? T'es allé chercher mes résultats? Tes résultats? De mon rattrapage. Pour mon concours. Pour être institutrice. C'est un métier. Je m'appelle Carole, c'est bon, tu te souviens? Ah oui, merde! Bon, t'y es pas allé donc. Ouais. Enfin, ouais, non. Bon, bah je prends une douche et j'y vais. Je t'ai dit que je voulais rien que tu fasses, t'es mon invité. Oui, non, mais comme ça, je vais prendre l'air un peu, ça va me. T'es sûre pour la douche? Oui. Bon. Prête? Oui! C'est bon! Sam, qu'est-ce que tu fous? C'est Loïc. Bah, tu devrais être contente. Oui, bah non, parce que je sais pas quoi lui dire. Réponds, toi, s'il te plaît. Mais aie-moi l'intimité. Allez, s'il te plaît, on s'en fout de ça. Fais-toi passer pour mon avocat. Pourquoi faire? Mais allez! Allô? Oui. Fais-toi passer pour mon fiscaliste. Il risque pas de trouver ça bizarre qu'on soit ton fiscaliste qui réponde? Bah, alors fais-toi passer pour un animateur d'une autre chaîne. Comme ça, ils vont flipper. PPDA. Oui, mesdames et messieurs. Non, 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 c'est ridicule. Allô? Oui? Oui, bonjour. Ah non, c'est pas Virginie, non? Oui, très bien. Eh ben, je lui dis. Merci. Au revoir. Alors? Alors, tu m'as fait imiter PPDA à poil dans ma douche. Balance, quoi? C'était pas Loïc. Oh, merde. Ton rendez-vous est avancé à 15h et c'est un rendez-vous avec un mec dont j'ai oublié le prénom, un prénom bizarre. Guy Jason? Non, tu connais un mec qui s'appelait Guy Jason? Mais c'est qui? Allez. Un prénom breton. Un prénom breton... Ah, j'ai rendez-vous avec Brennegan? C'est un truc de malade, les prénoms chez M6. Bah, en prénom breton, je vois pas, enfin, à part Loïc. Non, non, je suis sûr que c'est breton. Ah non, en breton, et qui reste, il y a Gwenaëlle. C'est ça. J'ai un rendez-vous avec Gwenaëlle. T'es sûr? Oui. Sors. Et mon intimité? Sors de la douche! Et mon intimité? Non, j'ai un rendez-vous avec Gwenaëlle, le directeur des programmes, l'homme qui fait le plus peur au monde. Chaque fois qu'il veut me voir, c'est pour m'expliquer des trucs que je comprends pas avec des codes couleurs, alors tu sors! Mais non! Si! Si il m'appelle, c'est qu'il veut me reprendre! Mais tu vas retourner à M6, tu voulais pas filer des cours? Mais non, c'est pourri ça en fait. Ah déjà? Bah oui, bah évidemment que je retourne à M6. C'est n'importe quoi, c'est bonne résolution. Depuis que je suis au chômage, je suis couvert d'eczéma, alors je vais pas louper ma chance, hein, fais-moi confiance. Et puis si Gwenaëlle me reprend, Loïc pourra rien dire. Bon. Mais comment ça se fait que j'étais pas au courant de ce rendez-vous, moi? Bah t'y es plus depuis une semaine et t'as plus d'assistant en même temps. Ah ouais, ça a dû jouer, ouais. Bon, allez, tu sors! Mais putain, mais le respect de l'intimité, toi, super quoi! Mais... Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et votre épouse? Mon épouse. Votre épouse, va bien? Ah oui, très bien, très bien. On commence ou on l'attend? De... Non, je sais qu'elle est toujours en retard, mais ça vaut peut-être le goût de l'attendre, non? Mais qui? Votre épouse. Comment? Non, c'était une blague, en fait. Ah,
Ah bon, c'est... Oui, oui, on m'a dit que comme patron, j'étais pas assez drôle. Alors, vous savez ce que c'est, faut faire attention. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais celle-là était pas très drôle, mais enfin vous... Non, mais c'est parce que j'ai pas percuté tout de suite. Non, 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 enfin, j'essaie. Par exemple, vous connaissez la différence entre un chien et une lampe électrique? Non. Eh bien, des deux, il y en a un qui n'est pas une lumière. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, je suis pas certain non plus de celle-là, mais enfin, je suis en train de trouver mon style. Oui, il faut quand même que je vous dise quelque chose à propos de Virginie. Oui, tout à propos. Vous voulez appeler Virginie, vous lui demandez si on commence sans elle. Virginie? Efira. Virginie vient? Ah oui, je l'ai pas vue depuis un bout de temps, et puis vous savez, c'est elle qui a fait les plus gros scores de l'année, alors je me suis dit que c'était une bonne idée de faire cette réunion tous les trois. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous dites à propos de Virginie? Eh bien, on va se dire qu'elle vient. Écoutez, je ne l'ai pas vue en direct, mais enfin, le rendez-vous est pris depuis 2 mois. Oh, c'est pas vrai. Bonjour, Taylor. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne dis pas bonjour, donc. Ah, faut pas rester là, hein. Pourquoi? Vous voyez pas que tout le monde est mal à l'aise? Non. Oui, donc il faut absolument que vous partiez, maintenant. Non, j'ai un rendez-vous super important. Ah bon, en plus? Bah alors, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Bah, j'ai rendez-vous ici, en fait. C'est ça. Bah de quoi c'est ça? J'ai un rendez-vous, c'est tout. En plus, je suis en retard. Ah, donc... vous avez un rendez-vous? Et avec qui? Avec Gwenaëlle. Impossible. Bah si. Non. Si? Non. Ouais, bon, allez, au revoir. Non, 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 mais venez avec moi. Gwenaëlle est occupée, je vais vous faire patienter dans mon bureau. Hein? Bonjour. Oh, salut. Oh, bonjour, Pierre, comment ça va? Ça va, merci. Oh, bah la vache, c'est la première fois que je vous vois aussi sympa. C'est super troublant. Non, en fait, Virginie... En ce moment, elle est malade. Rien de grave, j'espère. Ah non, 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 une hépatite. Hépatite? Oui. Enfin, on dit une hépatite, c'est pas non plus. En fait, c'est plutôt un début d'hépatite. Donc, forcément, elle va être absente pendant quelques temps. Mais faudrait peut-être que j'aille la voir. Non, pas du tout. Elle est partie à l'étranger se soigner. Ah bon? Oui, vous savez, ils ont des centres formidables pour soigner les hépatites maintenant, à l'étranger. Ah, bien, bien. C'est votre nièce, c'est ça? Oui. C'est la fille de votre sœur qui est dentiste? Non, c'est la fille de mon frère. Qui est dentiste? Non, qui est conseiller commercial. Voilà, dont la femme est dentiste? Non. Ah, très bien, très bien. Elle rêve d'être animatrice, d'ailleurs. Faudrait que je vous la présente. Ah, parfait. C'est une photo ancienne, elle a maigri depuis, non? Non. Très bien. C'est pas un problème. Vous pouvez lui dire que je suis là? Ah non, dites-lui que je suis arrivée à moins 10. Ça fait genre la fille qui est en avance, c'est bien. Ah non, mais je peux pas le déranger. Bah pourquoi? Parce qu'il est en rendez-vous. Vous croyez qu'il va me reprendre? Bah si, je fais la grève de la faim. Mais sans déconner, vous pouvez l'appeler là, parce que bah, s'il croit que je suis en retard le jour où il me reprend, ça craint quoi. Non mais je peux pas le déranger. Pourquoi? Parce qu'il est en rendez-vous. Ah oui, non, c'est vrai, vous venez de me le dire, oui. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ou... C'est bien ici? Oui. Enfin oui, non, je sais pas en fait. C'est vous qui donnez des cours d'animatrice? Ah non, mais ça me paraît un peu évident en même temps, mais... Je peux rentrer? Pourquoi faire? Non mais je viens parce que j'ai lu une annonce sur internet. Ah, oui d'accord, non mais j'avais oublié en fait. Vous avez oublié quoi? Non mais oui, c'est bien là. Ah d'accord, donc c'est vous qui donnez des cours d'animatrice? Non, mais c'est quand même ici. Ah, après. Allez vous asseoir sur... On commence par quoi? On commence par que moi je vais me barrer, en fait, et que Virginie va revenir, enfin, je pense. Virginie? Et Fira. Non, c'est elle qui fait ça? Ah oh, bah ça c'est marrant, parce que, ouais, en fait... Mais je vais quand même me barrer, par contre. Vous êtes sûr que vous faites pas de télé? Ah oui. Mais c'est vous qui commentez le foot sur M6, non? Non, c'est Thierry Roland. Bah c'est ça, c'est vous, non? Bon, bah, je vous laisse. Alors je vous attends là, moi. Oui, si vous voulez, oui. Non, parce que vous comprenez, c'est un affreux malentendu. Moi, je voulais pas démissionner. Hein. C'est à cause de JB. Il avait la lettre, il l'a perdue. Moi, je voulais pas la donner. Non, mais ça se voit que ça m'intéresse pas. Non, pas trop. Et si je fais ça? Ouais, là, un peu plus, ouais. Ça va, mes cheveux? Ah non, non, les cheveux, ça va. Non, vous pouvez pas appeler Gwenaëlle
pour lui dire que ça me dérange pas d'attendre. Il est en rendez-vous. On se parle jamais, nous, hein? Non. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous voulez dire comme métier? Non, non, votre vie à vous, en dehors d'M6. J'aime bien aller au théâtre. Ah, c'est marrant, est-ce que moi aussi? Vous voulez pas appeler Gwenaëlle? Non, mais vous me prenez pour une truffe. Non, j'en supplie, je supporte pas l'attente, ça me donne envie de faire pipi. Il est en rendez-vous. Non, mais il est en rendez-vous avec le Premier ministre ou quoi? Pourquoi vous voulez pas le prévenir que je suis là? J'ai le droit de le déranger qu'en cas d'extrême urgence. J'ai les places de Gwenaëlle pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Oh, mais montez, montez. Merci, Marie-Laure, merci. Mais pourquoi il a le droit de monter, lui? Vous avez quelque chose à lui apporter, à Gwenaëlle? Non. Ben voilà. Vous savez, on est une chaîne en pleine expansion. Le plus important, c'est l'image qu'on a construite. Bien sûr, bien sûr. Personne n'est indispensable. Le plus important, c'est de continuer à nous affirmer. Ah! Oh. Ah ben, ça me rassure. Pourquoi? Vous avez bien dit, personne n'est indispensable. Tout à fait. Vous pourriez le redire une fois? Personne n'est indispensable. Très bien, parfait. Je vais le noter sur un bout de papier, juste pour qu'on s'en souvienne bien. Au cas où, vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme vous voulez. Charmante petite tête. Et les yeux de sa mère, non? Non. Très bien, très bien. Bon, t'as réfléchi à ce que j'ai dit pour Sam? Non, mais j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, là. C'est vraiment con, Carole, je te jure. Oui, je vais déjà voir si j'ai mon examen. À mon avis, il y a peu de chance, et puis après, je sais pas. Si tu l'as, tu vas lui parler? Oui, bah, c'est pas aussi simple que ça. Si tu l'as, t'y vas, tu viens de dire que t'avais peu de chance. Ça va, tu prends pas trop de risques. Oui, bah oui. Oh, j'en ai marre, là. De quoi? Non, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Vous arrêtez pas de faire monter tout le monde et vous lui passez plein de gens au téléphone. Parler d'André? Bah oui, pourquoi Manoukian, il peut monter et pas moi? Plus, il est même pas animateur. Je crois qu'il voulait lui parler d'un truc qu'il avait lu dans le journal. Non, mais c'est ça, vous vous foutez de moi, en fait. Ça vous fait rien que je joue ma carrière? Ah bah non, ça me fait rien. Ah, bonjour, Mac, vous allez bien? Très bien, merci. Ça va, Virginie? Ouais, ça va, Max, c'est cool. C'est cool. Ouais, ouais, non, je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, très bien, merci. Marie-Laure, je peux vous laisser une bouteille de vin pour Gwenaëlle? Ah non, lui monter, lui amener, ça lui fera tellement plaisir. D'accord, merci, à bientôt. Salut, Virginie. Salut, Max, c'est top. Bon, bah, je m'en fous, j'y vais. Ah, mais vous pouvez y aller? Bah, attendez, ça fait une heure que... Bah, pourquoi vous le dites pas, alors? Parce que j'aime pas vous parler. Non, je sais que j'étais absente quelque temps, mais aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Gwenaëlle, ce qui veut dire que je vais revenir et que je vous conseille de changer de comportement. Parce que c'est pas parce que votre père est le beau-frère du patron, dont je respecte infiniment le travail, que vous avez le droit de parler comme ça aux gens. Vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Vous seriez pas une espèce de girouette, vous, par hasard? Et vous seriez pas une espèce de grosse connasse, vous, par hasard? C'est ça. C'est pas la peine de monter. C'est Loïc qui avait Gwenaëlle. Il m'a demandé de vous dire que c'était même pas la peine de revenir. De quoi? Loïc vous a dit ça? Oui. Donc maintenant, je crois qu'il est vraiment temps que vous partiez. Vous mentez? Bah, pourquoi j'avais rendez-vous avec Gwenaëlle, alors? Bah, ça devait être pour faire le bilan de la saison. Chaque année, vous oubliez. Mais ça, c'était avant que Loïc lui annonce votre démission. Vous mentez. Allô, Gwenaëlle, vous pouvez me passer Loïc, s'il vous plaît? Oui, machine est là, elle veut monter, qu'est-ce que je fais? Vous faites pas, vous faites rien, surtout pas. Merci, Marie-Laure. Bon, allez, je vous laisse aller travailler. On se revoit dans quelques jours pour préparer la conférence de presse. Pas de problème. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Personne n'est indispensable, je sais. C'est ça. L'incarnation de notre image, c'est Virginie. En plus, avec son combat actuel contre la maladie, les gens vont s'identifier. Il faut construire autour d'elle. On aurait dû en parler avec elle aujourd'hui, mais enfin, la pauvre. Laissons-la revenir en pleine forme. C'est votre neveu à côté d'elle? Non, c'est son chien, Momo. Ah, très bien, très bien. Momo. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis vraiment très très heureuse de faire votre connaissance. En fait, je connais très bien... D'accord, vous êtes qui? Je savais pas du tout que c'était vous l'annonce. Non mais d'accord, vous êtes qui? Joséphine. Vous venez pour les cours d'animatrice? C'est ça. Et vous appelez Joséphine? Oui. Et vous voulez vraiment être animatrice? Oui. Ouais, bah, je vais voir ce que je peux faire. Ça va? Ça a pas l'air d'aller. Si, ça va très très bien. J'ai pas besoin de toute façon. Bon, vous les avez les 2000 euros? Oui. Bon, ben on y va. Y a que vous de toute façon. Bah oui. Enfin, tout à l'heure, il y a une personne qui... Non, mais il n'y a que vous, point. Donc, je pose une question, vous répondez. Hein, c'est pas très compliqué. Je suis sévère, mais c'est pour votre bien.
Bonjour. C'est bien ici les cours d'animatrice ? Oui. Bonjour, Mia.